Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes ici chez vous et nous nous retrouvons pour prier, pour rentrer en nous et nous placer en toute humilité devant Dieu. Nous écoutons l'orgue qui nous mène dans ce temps intérieur. Au nom de Dieu, écoute, Seigneur, réponds-nous, toi qui es plein d'amour, pour tous ceux qui t'appellent, écoute notre prière, entends nos voix. Montre-nous ton chemin, Seigneur, afin que nous marchions suivant ta vérité. Nous voulons te rendre grâce de tout notre cœur et toujours louer ton nom, car il est grand, ton amour, Seigneur, et ta fidélité dure pour toujours. Amen. Et nous nous rappelons de l'ancienne loi et nous écoutons les prescriptions données par Dieu à Moïse quand le peuple d'Israël était perdu au désert. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir, car je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'obéir à cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. À la lumière de ces paroles, nous reconnaissons notre finitude et malgré nos meilleures volontés, nous constatons nos échecs et nos failles humaines. Ô Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté, Seigneur. Restaure notre cœur et emplis-le de ton amour. Avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de t'aimer et de te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je
Le Seigneur nous relève et pour écouter le pardon de Dieu, nous pouvons nous relever, Seigneur, nous élever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Mon frère, ma sœur, par la volonté de Dieu, tu es pardonné. Libéré, nous sommes relevés. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux de ta bonté, dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde. Nous prions Dieu avant d'ouvrir les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons dans le livre d'Amos, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Quel malheur pour ceux qui sont satisfaits à Sion, ceux qui vivent en toute confiance dans la montagne de Samarie. Ces notables de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et regardez. De là, allez jusqu'à Hamat la Grande et descendez à Gath des Philistins. Valent-elles mieux que ces royaumes-ci et leur territoire est-il plus grand que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Couchez sur des lits d'ivoire, vautrez sur des divans. Ils mangent les jeunes béliers du troupeau, les veaux à l'étable. Ils égrènent les sons de lutte comme David. Ils se sont inventés des instruments de musique. Ils boivent du vin dans des calices. Ils se confèrent des onctions avec les prémices de l'huile. Ils ne souffrent pas du désastre de Joseph. C'est pourquoi maintenant, ils vont être exilés en tête des exilés et les banquets des vautrés prendront fin. Et nous continuons notre lecture par l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit alors, « Alors je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez la mort va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Éclaire-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs, chers amis, on pourrait intituler ce passage de Luc « Dieu aime les pauvres », mais selon que l'on y adjoindra un point d'interrogation ou un point d'exclamation, tout ce qui suivra aura une tonalité bien différente. Depuis les origines, en tout cas depuis que les hommes s'interrogent de savoir si le Dieu créateur intervient dans leur vie, il se pose cette question. Dieu a-t-il des préférences? Ça, c'est un questionnement assez central dans l'évangile de Luc, où il se déplace vers les sentences de Jésus vis-à-vis des riches. Le riche insensé, la porte étroite, le jeune homme riche, et aujourd'hui, le riche et Lazare. Ce texte semble une réponse indirecte aux pharisiens auxquels Jésus essaie de montrer que leur interprétation des Écritures, leur façon de vivre, leur foi en Yahvé sont erronées. Les 3 repas pris chez un pharisien avec les sentences de Jésus, se termine mal et ne recueille qu'un commentaire réprobateur. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec des prostituées. Mais les pharisiens n'ont pas eu le monopole des interprétations hasardeuses des Écritures. Ce texte nous en donne une illustration très claire. Et là, je vous propose de faire un petit tour au niveau de l'histoire de la théologie. Dès les premiers siècles du christianisme, on voit tout d'abord les premiers chrétiens partager tous leurs biens entre frères. Puis, ce sont les pères de l'Église qui font cet éloge du partage avec Grégoire le Grand. Par la suite,
étant de plus en plus proche du pouvoir politique, se développe une autre théologie, la théologie de la rétribution, à partir de laquelle, durant des siècles, on a fait accepter aux pauvres l'inacceptable, en leur promettant l'au-delà, une place au paradis, proportionnelle aux souffrances qu'ils auront vécues sur terre. D'où l'expression « il a gagné son paradis », totalement contraire à l'esprit évangélique. Et pendant ce temps, les riches pouvaient continuer d'exploiter les pauvres avec la bénédiction de l'Église. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, l'exploitation du monde ouvrier fit émerger un prolétariat sensible aux théories nouvelles, le socialisme, le marxisme. Dans ce contexte, qui pouvait devenir explosif, le pape Léon XIII publie une encyclique fixant les objectifs de ce que l'on appellera la doctrine sociale de l'Église. Son but, ouvrir un nouveau chemin aux chrétiens dans ces situations nouvelles pour lui servir de guide autour de trois thèmes: le respect de la personne humaine, la recherche du bien commun, le principe de solidarité. Dans le même temps, apparaissait chez les protestants le mouvement du christianisme social, animé après la Commune dès 1878 par Tommy Fallot. Au XXe siècle, des inégalités se creusent encore entre exploiteurs et exploités. Certains théologiens, considérant l'échec relatif de cette doctrine sociale de l'Église, convaincus de la nécessité de s'engager plus aux côtés des pauvres parce qu'ils sont exploités par les riches, auxquels le pouvoir politique est inféodé, développeront la théorie de l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres, qu'ils transposeront par la suite sur le plan politique. D'autres, à la même époque, iront encore plus loin, à l'exemple de Georges Casalis, en faisant une analyse marxiste des rapports entre ouvriers et patrons, basée sur la lutte des classes. Ce sera la théologie de la libération, qui est très prégnante en Amérique latine. Mais aujourd'hui, ces théories sont tombées en désuétude et l'on voit un mouvement inverse se développer, parallèle à l'expansion des mouvements pentecôtistes en Amérique latine. En effet, ce mouvement développe une autre théologie basée sur l'effort individuel de la personne pour sortir de la pauvreté. C'est ce que l'on nomme la théologie de la prospérité. Si tu es fidèle à Dieu et à Jésus-Christ, si tu aides la communauté, tu seras récompensé et tu verras ton sort ici-bas amélioré. Plus récemment encore, cette problématique riche-pauvre s'est déplacée sur un plan géopolitique, notamment avec la COP21, entre le Nord et le Sud, avec les cohortes de sinistrés climatiques que l'on nous annonce pour bientôt. Voyez donc comment un même texte, lu à l'identique par tous, peut donner, selon les lieux et les circonstances, matière à interprétation contradictoire. Cela doit nous faire aborder les Écritures avec humilité et respect. Alors, que peut-on dire de ce texte pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, vous aurez remarqué que le pauvre a un prénom, Lazare, qui signifie « Dieu aide » ou « Dieu a secouru ». Les théories dont je vous ai parlé trouvent ici leur origine. Le riche, lui, n'a d'autre nom que l'homme riche. Cela signifie-t-il pour autant que Dieu ne veuille pas le connaître, qu'il ne l'intéresse pas? Pas sûr, puisque Abraham l'appelle « mon enfant », ce qui signifie qu'il fait lui aussi partie de la famille.
mais c'est lui-même qui se définit ainsi, riche. Et il est jusqu'au bout des ongles, ici-bas, mais riche il reste aussi dans l'au-delà, continuant d'ignorer Lazare, à qui il ne s'adresse pas, demandant à Abraham de jouer les commissionnaires. Lequel se garde bien d'obtempérer, pas plus qu'il n'accède à la dernière requête de l'homme riche. Car tout se joue ici et maintenant, dans ce temps très court, notre vie ne dure que 3 versets. Après, c'est trop tard, en effet. L'homme riche avait toutes les cartes en main, à savoir la loi et les prophètes. Dans le Lévitique, dans le livre d'Amos que nous venons de lire, qui annonce la déportation non pas aux riches, mais aux voluptueux et aux extravagants. Tant que dans Amos et que dans les paraboles de Luc, il semble que tout soit joué pour le riche, incapable de tout changement. Mais nous avons reçu la bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle qui nous place sous le règne de la grâce. À celui qui se repent et qui croit, Jésus annonce la vie éternelle qui commence ici et maintenant. Et comme pour l'ouvrier de la dernière heure, ce repentir peut advenir jusqu'au dernier moment, la dernière nuit du riche insensé. Mais ne nous y trompons pas. Jésus nous met en garde. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il faut choisir. Ne nous dédouanons pas à bon compte en considérant que cette parabole ne nous concernerait pas parce que les riches, c'est les autres. On est toujours le pauvre de quelqu'un, mais on est aussi le riche d'un autre. Alors que faire? Nous rappeler que Dieu aime l'humanité entière? Il ne nous demande donc pas de jouer une partie contre une autre. Jésus ira même très loin, puisqu'il nous demande d'aimer nos ennemis. Pierre le confirme. Dieu nous demande par-dessus tout d'être des militants de la justice, de considérer chacun pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. La République pensait avoir réglé cette question avec la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais l'itinéraire d'une vie est soumis à tant d'aléas, tant de concours de circonstances, qu'à l'arrivée, il y a quelques gagnants et beaucoup de perdants. Amos nous déclare « Votre opulence injuste ne durera pas, car tout sera détruit. » Ce qui lui vaut d'être expulsé et renvoyé dans son pays. Mais Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. À 3 reprises, Amos a intercédé en faveur du peuple de Dieu qui s'est laissé infléchir. L'appel « Abandonnez toutes vos actions mauvaises, faites-vous un cœur neuf et un esprit neuf », nous dit Ézéchiel. « Pourquoi vouloir mourir, Israélite ? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux pas la mort de personne. Revenez donc vers moi et vivez. » Mais les hommes, persévérant dans leur surdité et leur aveuglement, l'oracle d'Amos va se réaliser. Jéroboam mourra par l'épée et sur une terre impure, et tout Israël sera déporté loin de cette terre, le peuple subissant une fois de plus les conséquences de l'obstination de ses dirigeants.
C'est un oracle que nous ferions bien en ces temps incertains de prendre pour nous. Mais en même temps qu'il annonce cette lourde sanction pour Amos, le jugement et la destruction qui en résulte va ouvrir la possibilité d'une ère nouvelle. Car il ne s'agit jamais de la fin du monde, mais la fin d'un monde subissant une destruction créatrice, ouvrant ainsi, et c'est notre espérance, une nouvelle page, celle des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle où la justice habitera. La mort du Christ sur la croix, c'est la terrible illustration de l'incapacité des hommes, et pas seulement des Juifs, à faire un retour sur eux-mêmes et leur incapacité à changer de paradigme. Au vu de l'évolution de l'humanité depuis 2000 ans, c'est chaque jour que Christ est crucifié. Mais la résurrection de Christ nous prouve qu'un monde nouveau est aussi chaque jour possible. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, dans la reconnaissance pour la grâce qu'il nous a donnée. Comme Amos intercéda pour Israël, Christ a intercédé pour nous auprès du Père. La prière sacerdotale en Jean 17 est encore à l'œuvre aujourd'hui. Alors, ce demain incertain ne saurait être une menace désormais. Dans la confiance que nous avons en sa promesse, notre avenir est entre nos mains et dans nos cœurs. Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Amen. Frères et sœurs, il est écrit dans l'Évangile, selon Matthieu, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui cherchent la justice, car le royaume des cieux est à eux. » En réponse à la parole que nous avons reçue, nous écoutons la confession de la foi chrétienne, écrite par des artisans de paix et des chercheurs de justice, d'un temps où notre histoire était bien plus sombre sur notre territoire. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous, c'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtre les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour, avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille, au lieu de l'exclure, il respecte, au lieu de condamner, il ouvre les portes,
et ne les referme jamais, nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Réunissons dans la prière d'intercession et portons dans nos cœurs le souvenir de nos sœurs et nos frères disparus, celles et ceux qui s'affrontent au désespoir. Nous nous confions les uns les autres dans la prière, car tu l'affirmes, Seigneur, qu'en ta présence, plus jamais nous ne serons seuls. Seigneur Jésus, toi qui viens au carrefour de nos routes, toi qui fais fuir le désespoir au feu de ta parole, toi qui, mieux que personne, sais réchauffer nos cœurs, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui nous accueilles à la table d'un festin de joie, toi qui ouvres nos yeux pour nous dévoiler le secret de ta présence, accorde-nous d'annoncer joyeusement ta venue. Seigneur Jésus, toi que sans voir nous aimons, toi que nous attendons, toi qui n'abandonnes jamais l'opprimé, l'affamé, le prisonnier et l'exilé, nous te prions. Seigneur Jésus, donne-nous cette merveille qu'est la rencontre, où celui qui nous était étranger touche notre cœur, nous ouvre les yeux. Sur les routes de nos vies, nous n'aimons guère qu'un autre que nous rejoigne, nous interpelle et trouble notre quiétude. Mais te voici, Seigneur Jésus, notre cœur exulte et notre regard aveuglé retrouve sa lumière. Seigneur, sois avec nos sœurs, avec nos frères et nos sœurs, mais surtout nos sœurs iraniennes, Seigneur, qui s'affrontent à l'adversité. Donne-nous, Seigneur, de nous souvenir de Lazare, le pauvre d'autrefois. Rends-nous sensibles, Seigneur, au malheur de notre prochain et éloigne de nous l'esprit d'indifférence. Éloigne-nous, Seigneur, le règne de la violence. Donne-nous, Seigneur, la merveille brûlante de ta parole. Donne-nous, Seigneur, la merveille brûlante du pain et du vin partagé. Qu'alors notre cœur revive et que nos yeux s'illuminent. Toi qui fais qu'une défaite, un chemin de victoire, tu es notre joie pour aujourd'hui, pour demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos sœurs et nos frères, avec toute la création, dans la joie du service et de la prière. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche.